c'est ma nouvelle école. Et avec l'aide de ma maîtresse, je veux me présenter. Je m'appelle Louis, j'ai 8 ans et demi. J'adore mes chaussures bleues, taille 33, avec scratch, parce que je ne sais pas faire mes lacets. Avant de faire quoi que ce soit, je lève toujours mes chaussures et je les pose bien parallèles à côté de moi. Grâce à cela, elles s'abîment 1,6 fois moins vite. Mais surtout, elles sont toujours là pour me remettre sur pied. Enfin, c'est ce que je croyais. Je change souvent d'école, mais pas de chaussures. Dans mon ancienne école, je portais déjà mes chaussures bleues. J'aime quand c'est carré. Quand ça ne l'est pas, je suis perdue. Par exemple, je n'ai jamais saisi pourquoi les gens dansent pour dire bonjour, ni pourquoi il faut les regarder dans les yeux. Cela n'a vraiment pas de sens. Un bonjour suffit. Je ne sais pas mentir. Ma franchise peut blesser certaines personnes. Et je ne sais pas m'exprimer autrement. J'ai aussi tendance à être trop littérale. Si vous me dites c'est parti, il y a de fortes chances que je m'en aille. Ma mère m'a dit que ce n'était qu'une image, mais elle ne me l'a jamais montrée. J'ai toujours eu du mal à me faire comprendre. On me dit souvent que ma façon de parler est trop adulte pour les enfants, mais en même temps trop du jeu pour les adultes. Pourtant, j'aime la simplicité. Aller aux anniversaires aurait pu faire de moi un bon camarade dans mon ancienne école. Mais c'était quelque chose de trop angoissant. Beaucoup d'enfants, du bruit, des codes à respecter. Et quel cadeau offrir ? Bref, trop d'inconnus. Heureusement que je n'y étais pas invitée. À la place, je passais mon après-midi dans un lieu que je connaissais. Chez moi. C'était bien plus rassurant. Je m'ennuie jamais. Ça, vous pouvez en être sûr. Voilà, c'est tout propre. On n'a rien de temps. Souvent dit que le problème venait de moi. J'ai même pas ses chaussures. Vous pouvez me dire où sont ses chaussures ? Vous ne faites pas d'effort. C'est hors de question que mon fils reste une minute. À l'époque, je ne savais pas encore que j'étais autiste. Mais être différent des autres n'est pas plus bizarre que de vouloir entrer dans un moule. Un moule, c'est bien, mais que pour les gaufres. Vouloir porter des chaussures à scratch plutôt qu'à lacets, qu'est-ce que ça change du moment qu'on est bien dedans ? Voilà, c'est pour ça que je suis nouveau. C'est pas facile de se présenter, mais c'était une nécessité, je crois.